Nous sommes le 23 mai 2024 et je vous fais une petite vidéo aujourd'hui sur l'élevage. Alors, vous êtes un certain nombre à me demander davantage de vidéos sur l'élevage et en particulier sur l'élevage des bovins. Donc, je vais essayer de vous faire plus de vidéos sur le thème et puis en plus, c'est avec plaisir que je le ferai. Et aujourd'hui, on va s'intéresser un petit peu sur le matériel par rapport au pâturage tournant dynamique. Alors ce pâturage tournant dynamique, je vous en avais parlé dans une vidéo il y a quelques années maintenant. Et puis là, aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser à la partie matérielle. Hein, donc les piquets, les fils, un petit peu aussi comment je déplace quotidiennement les vaches. Et je vais vous montrer que ça peut se faire très 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 facilement, très rapidement. Mais faut-il encore avoir le bon matériel pour faciliter les mouvements. Voilà, je partage ça avec vous. Alors attendez, je vais rebrancher justement l'abreuvoir que j'ai oublié de brancher ce matin. Ça aussi, on en parlera. Alors ce ne sera pas l'objet de la vidéo d'aujourd'hui, hein, l'abreuvement et puis le fait d'avoir tiré un réseau de flotte dans les pâtures. Alors ici, c'était un endroit un petit peu humide. Tiens ma belle, hop, Manon des sources. Alors je fais cette vidéo aujourd'hui parce que ça me facilite les choses puisque c'est vraiment la parcelle idéale. C'est un grand rectangle hein, puisqu'on a planté cette haie là et cette haie là en 2016. Et du coup on se retrouve avec une grande pâture qui part donc du pied des grands arbres là-bas et qui va jusqu'à la haie qu'on a plantée également là sur la crête. Hein. Donc pas les grands arbres de derrière, mais il y a des petits arbres devant. Et donc là, on a environ 180 mètres de longueur. Et entre les deux haies, il y a 36 mètres. Voilà, et puis on a encore planté des alisiers en plein milieu pour faire un peu d'ombrage pour les vaches, pour plus tard. Mais là, on est vraiment sur un rectangle parfait, ce qui ne sera pas forcément votre cas chez vous, et ce n'est pas forcément le cas partout ailleurs, même si... Bon, j'ai réussi à peu près à m'arranger pour avoir des parcelles à peu près rectangulaires. Et donc, l'avantage, c'est quand on fait du pâturage tournant dynamique, là, pour découper les parcelles, c'est très facile. En fait, on met un fil à l'avant. Donc là, devant la génisse qui est là, elle a la tête juste sous le fil qui est devant. Et puis, il y a le fil arrière, ici. Et puis, on voit que les jours précédents, elles étaient dans ces parcs-là. D'accord ? Elles ont, en fait... En ce moment, pour 24 heures, elles ont un parc qui fait 10 mètres de long. Donc entre ce fil ici et le fil qui est devant la petite génisse, il y a 10 mètres là. Et puis elles ont bien sûr toute la largeur qui fait 36 mètres. Ce fil à l'arrière empêche les vaches de revenir brouter ce qu'elles ont déjà brouté. Parce que dans le principe du pâturage tournant dynamique quand même, l'idée c'est d'éviter que la vache vienne épuiser la plante. Alors que la plante, elle cherche à repousser, hein, et elle est déjà en train de repousser. Et en fait, si on remonte le temps en regardant à l'arrière, eh bien, en fait, on se rend compte que l'herbe est de plus en plus verte et de plus en plus haute. Et derrière, ça permet d'avoir une belle prairie. Mais ça, encore une fois, on en parlera peut-être une autre fois. Ce sont les grandes généralités du pâturage tournant dynamique. On revient à notre matériel. Donc, sur les bords, ici, on a des clôtures qu'on va qualifier de semi-permanentes. Mais pareil, on y reviendra, ça pourrait être également des clôtures permanentes, notamment au bord des routes ou avec les champs voisins, mais là de l'autre côté de la haie, c'est chez nous. Donc ici, j'ai des piquets en fer qui sont relativement rigides, mais que je peux facilement enlever, notamment les années où je décide de faire du foin dans cette parcelle. Ça me permet de retirer les piquets, d'aller les planter dans la haie, et du coup, ben, je peux passer ma barre de coupe au plus proche des arbres. Et j'ai utilisé ici un fil, donc ici c'est du fil en nylon, hein, avec des conducteurs dedans, parce que je vais le démonter. C'est-à-dire que dès que mes vaches arrivent au bout là-bas, elles iront sur une autre parcelle. Là vous voyez l'intérêt des arbres pour les vaches. Donc lorsqu'elles arrivent au bout, elles iront sur une autre parcelle, et moi je vais démonter le fil qui est le long de cette haie, et le fil qui est le long de cette autre haie. Donc on va qualifier ça de semi-permanent. Et vous voyez, on vient se raccorder, et c'est là que c'est intéressant, c'est vraiment la partie matérielle de la vidéo. Moi, je vous conseille ce type d'isolateur. Donc là, je vais faire de la pub pour le coup, donc c'est du LACME, alors je ne sais jamais comment ça se prononce, LACME, c'est l'entreprise qui fait plein de matériel de clôture qu'on trouve un peu dans toutes les jardineries. Donc c'est un système à vis
qu'on vient mettre sur un piquet. Et votre piquet, il peut être fait donc ici du fer à béton, ça peut être des piquets vendus pour, mais c'est un petit peu cher. Vous avez aussi des piquets en fibre de verre, etc. Mais en fait, l'idée, c'est d'avoir cette grosse boucle-là. Alors, je précise, hein, ce truc-là, je l'ai depuis 2016, et il est au soleil depuis 2016. Donc, vous voyez, c'est quand même relativement durable. Et l'idée, c'est d'avoir cette boucle, parce que c'est super intéressant de venir se raccorder, vous voyez, sur le fil extérieur. Et là, en fait, il y a un contact. Alors, malgré, bon, il y a un peu de rouille, hein, mais je vous assure, il y a quand même un contact. Surtout que vous le verrez de l'autre côté, il y a également un contact. Donc, l'électricité qui est dans ce fil-là, qui est donc sur le pourtour de la parcelle, qui peut encore une fois être permanent chez vous, eh bien, vous avez juste à venir vous raccorder dessus, et là, pof, votre système quotidien, il est sous tension, quoi. Donc, moi, je vous conseille ces boucles, parce que vous voyez, c'est très facile. Mais attention, ces boucles, elles vont avec des poignées d'un certain type, et ce type, c'est ce type-là, on va dire. Il faut faire attention, lorsque vous achetez vos poignées, il y a des fabricants qui font des boucles très refermées, hein, ce sont des tout petits crochets comme ça, et du coup, ce petit crochet ne rentre pas dans l'anneau, et du coup, ben, c'est un peu, ça ne marche pas en fait, hein, ce que je vous montre là, ça ne fonctionne pas. Mais ça, c'est super pratique en fait. Donc, ici, on a un fil pareil de nylon, donc ça, c'est parce qu'il est enroulé tous les jours, donc celui-là, obligatoirement, il est en nylon, avec des conducteurs dedans, alors celui-là, il doit y avoir 6 conducteurs inox dedans, et je vous en avais déjà parlé, c'est du fil qui est tressé, d'accord, c'est très intéressant ça pour l'enroulement et le déroulement quotidien, c'est d'avoir un fil tressé et non un fil qui ne serait que torsadé, qu'on retrouve habituellement dans l'agriculture, mais je vous conseille, si vous partez sur du pâturage tournant dynamique, de partir sur du fil tressé, voilà, quel que soit le fabricant que vous choisissez, ce sera déjà mieux que du fil torsadé. Alors ensuite, on voit que j'ai des piquets plastiques. Alors pourquoi plastique ? Ben parce que c'est bougé quotidiennement. Et donc il faut que ce soit léger. Et c'est très léger. Et ceux-là sont très, très bien. Vous voyez, ils sont faits comme ça. On va en sortir un. Hop. Donc vous avez ici une béquille, on va dire, pour appuyer dessus avec le pied. Donc vous voyez, c'est très facile à mettre en place. Alors bien entendu, en fonction de la saison, ça peut être un peu plus compliqué. Hein. En plein été, c'est un petit peu plus dur. Et puis bien sûr, si vous avez des sols très caillouteux, ça peut être un petit peu compliqué aussi. Mais voilà, moi je vous conseille ce type de piquet et je vous conseille aussi des piquets qui sont faits avec cette manière-là d'entrer le fil dedans. Parce que c'est super efficace. Alors ensuite, on arrive ici à l'entrée du parc. Les vaches sont rentrées par ici et elles ressortent par ici. Donc, on va déjà regarder un truc, c'est ce qu'on appelle le couloir. Alors ici, vous voyez, on retrouve la clôture qui peut être permanente, hein, qui, encore une fois, chez nous, est semi-permanente. Et ce fil-là, qui est tiré, en fait, à chaque fois que j'avance mes vaches, hein, donc ici de 10 mètres, eh bien ce fil, donc ce fil-là, il est en fait au bout de cette bobine-là. Donc, à chaque fois, je prends cette bobine et je la rallonge de 10 mètres, d'accord ? Donc, le couloir, en fait, il va s'allonger de 10 mètres. D'ailleurs, on voit ici que c'était un couloir qui s'est un petit peu réenherbé, mais on voit bien que l'herbe est beaucoup plus basse, hein, puisque c'est tassé, donc forcément, ça ne pousse pas. Et donc, demain, en fait, les vaches emprunteront ce chemin avec le fil qui sera tiré ici sur la droite. Alors, cette année, c'est particulier parce qu'avec toute la flotte qu'on a au printemps, là, 2024, c'est catastrophique, hein. Là-bas, c'est de la boue. Néanmoins, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'avec ce système de couloir, vous voyez, les vaches empruntent toujours le même couloir, ce qui fait qu'on sacrifie finalement très très peu de surface et on a une belle zone pâturable. On canalise les vaches, hein, on canalise les vaches dans un couloir. Et ça, c'est vraiment très important, hein, de comprendre qu'à partir du moment où on utilise le fil arrière, on doit tirer un couloir. Et ensuite, vous avez ce piquet-là. Alors, ce piquet-là, il est très important, donc il doit être solide, hein, donc c'est du fer à béton, parce que ce piquet-là, il a en fait toute la pression de ce fil qui arrive là du couloir, hein, et qui va ici, là, dans la bobine. En fait, là, il a vraiment besoin d'être rigide parce qu'en fait, il a tendance à être tiré vers l'arrière, hein, par ce fil-là. Si on veut que le fil de couloir soit bien tendu, hein, ce qui est important également, on en reparlera, des fils bien tendus, eh bien, il faut que ce piquet soit rigide. Ensuite, il est muni d'un isolateur, comme je vous en ai déjà présenté un.
Et pareil, ça c'est très intéressant. Je vais vous mettre sur le trépied et puis je vais vous manipuler le truc, vous allez comprendre. Là, je vais reprendre la bobine du fil de couloir ici. D'accord ? Donc je vais l'enrouler. Voilà, je vais l'enlever, comme ça vous allez comprendre. Donc là, vous voyez, ici, c'est le fil. C'est le fil qui vient depuis, donc, près de l'abreuvoir, là-bas. Hein. L'autre côté, c'est le fil arrière. Donc, ce fil arrière, je le passe dans mon isolateur. Mon isolateur, je le mets, s'il est un petit peu de travers... Attendez, je vais vous prendre ici. Donc, si cet isolateur est un petit peu de travers, c'est pas pour rien. Donc, il est un petit peu de travers, là, par rapport donc, au couloir. Hein. On voit le couloir, il arrive tout droit. Et l'isolateur, ici, il forme un angle. Le fil arrive là, et ça en fait c'est ma porte. Et pareil, ici on retrouve le même isolateur avec ici la porte. On va s'y intéresser tout à l'heure à ce truc là. Et donc l'idée c'est de faire arriver le fil, vous allez comprendre, le fil du couloir arrive et va passer en fait par-dessus. C'est-à-dire que là ici, tac, ce fil là vient comprimer ce fil là. Le fil de couloir vient comprimer le fil arrière, et puis ensuite on vient ici derrière la clôture, parce que si je laisse ma bobine de fil au milieu du parc, elles vont jouer avec, hein, avec leurs cornes, elles vont marcher dedans, enfin elles vont se faire mal, elles risquent de tirer le fil. Donc c'est pourquoi les bobines sont toujours mises à l'extérieur du parc, hein, ça c'est important de rien laisser traîner dans un parc. Donc là on voit que le fil vient comprimer le fil arrière. Donc là déjà ce qui est bien c'est qu'on a un contact aussi, hein, un contact donc au niveau de l'électricité. Et ici, vous allez voir maintenant, lorsque j'ouvre ma porte, alors je vais me remettre ici, et je vous remets sur le truc, voilà, comme ça vous pouvez admirer Sauge en même temps. Donc moi, quand j'arrive en fait, par exemple, le soir pour venir chercher les vaches, j'attrape ma bobine. D'ailleurs, je peux aussi vous donner l'astuce, c'est que le bâton, en fait, il reste ici. Je ne repars pas avec mon bâton. Le bâton, il reste là toute la journée, et je le reprends le soir. Alors le bâton, c'est pas pour taper sur les vaches, hein, ça sert de troisième bras, ça permet un peu de les guider, ça permet de les faire un peu avancer quand elles n'ont pas envie d'avancer. Ça, c'est pas une matraque. Donc, j'attrape mon fil, je le sors très facilement. Alors attendez, je le sors ici, donc très facilement, vous voyez, je le rentre et je le sors très facilement de ce truc-là. Et je le viens le poser sur le côté. Alors là, vous ne le verrez pas, mais vous voyez le fil qui se tend, je le pose simplement sur le côté, c'est-à-dire ici. Et là, ma porte est ouverte. Vous voyez, la porte, elle est ouverte, mais le fil arrière, il est toujours tendu. Voilà, et ça, c'est notamment grâce à cet isolateur qui est là. Il y a peut-être des gens qui vont regarder cette vidéo et qui se disent « Oui, bah, il n'a rien inventé. » Mais en fait, si vous utilisez un autre type d'isolateur, type queue de cochon, type... Enfin, il y en a plein des isolateurs aujourd'hui. Hein, vous en trouvez plein sur le marché. Mais en fait, les mouvements que je viens de vous montrer, vous ne pourrez pas les faire. Vous ne serez pas aussi efficace, et puis en plus, il ne coûte pas plus cher que les autres. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce que je viens de vous montrer là, en fait, tient en grande partie au choix de l'isolateur, au choix du piqué d'angle, au choix également du fil tressé pour l'enroulement, déroulement quotidien, parce que ça souffre quand même, hein, c'est du matériel qui souffre, mais j'ai du fil qui date de 2016, donc encore une fois, le fil tressé, ça vaut vraiment le coup d'investir dedans, ça coûte un petit peu plus cher. Et donc l'idée de la vidéo, c'était vraiment de vous montrer que ça ne tient qu'au choix du matériel. Et le problème, c'est que justement, quand on fait de l'élevage, et que ce soit de l'élevage amateur ou de l'élevage professionnel, eh bien voilà, on se lance, on achète du matériel, et puis le problème, c'est que des fois, on fait le mauvais choix, hein. On achète 500 isolateurs pour clôturer, et puis on se rend compte à l'usage que ces isolateurs, ils sont nuls en fait, hein. Et puis que bah, le problème, c'est que l'on a mis beaucoup d'argent, puis on en a encore 300 en stock. Et donc, ben, après, on continue à travailler quotidiennement avec du matériel qui, finalement, n'est pas adapté. Et donc, moi, je vous invite à bien penser votre système. Alors, l'isolateur est de travers aussi, vous savez pourquoi? Parce que, regardez, c'est simplement, vous voyez, parce que les fils, en fait, quelle que soit la position, que ce soit porte fermée, porte ouverte, etc., en fait, les fils ne touchent pas le piqué. Hein, parce que le problème des piquets en fer, c'est bien, ils sont rigides, mais il y a des risques... que si le fil vient toucher le piqué, eh bien là, il y a une mise à la terre, et du coup, la clôture, en gros, elle ne fonctionne plus, quoi, hein. Les vaches, elles ne sentiront plus rien. Et donc, le fait de le mettre de travers, de bien serrer la vis derrière, eh bien, ça vous permet de ne jamais toucher le piqué.
Et du coup, bah, j'ai jamais eu de problème en fait. Et en plus, du coup, ce qui est intéressant, c'est que malgré, vous voyez, les points de corrosion qu'on avait par exemple au bout là-bas sur la petite poignée, eh bien en fait, on a des contacts un petit peu partout. Hein. On a ici le fil qui vient toucher le fil semi-permanent extérieur. On a ici le fil de couloir qui vient alimenter ici par contact, plus quand même les deux contacts un peu rouillés là-bas. Et au final, on a le jus, hein, on a tout ce qu'il faut dans le fil. Alors bien entendu, lorsqu'on pose la bobine au sol, on la pose comme je vous l'ai montré ici, parce que si vous la posez, on va dire comme ça, là, tac, dans de l'herbe très humide, hein, ou très haute, là forcément c'est tout petit puisqu'elles viennent de pâturer, mais vous avez un contact ici, hein, entre l'herbe et la bobine, hein, puisque tout ça c'est électrifié. Donc bien entendu, lorsqu'on pose les bobines, on essaye de faire en sorte, vous voyez, que le fil ici ne touche rien, quoi. Après, s'il y a une petite herbe qui vient toucher contre, c'est pas très grave. Voilà, les bobines, elles se posent sur le côté. Il y a une chose dont je n'ai pas parlé, mais qui est pourtant logique, hein, bien entendu, c'est de planter donc le poteau qui est donc le long de cette clôture semi-permanente, hein, le poteau qui est là, il est planté en face du poteau qui est là-bas, où il y avait la petite poignée. Ça paraît évident, hein. Donc, lorsque vous clôturez à droite et à gauche de votre parc, il faut que vous mettiez vos poteaux, ben, l'un en face de l'autre. Donc, en gros, les deux premiers, vous les mettez l'un en face de l'autre, et après, vous les mettez tous les 10 mètres. Et lorsque vous faites ce système de pâturage fil avant, fil arrière, il ne faut pas que deux fils. Il faut prévoir un troisième fil qui est en fait le fil avant de deux mains. Parce que moi, lorsque je vais retirer ce fil ici, les vaches vont forcément avancer, mais il faut qu'un fil soit déjà en train de les attendre. Hein, parce que sinon, mes vaches, après, elles vont courir comme des petites folles jusqu'au bout là-bas. Elles vont tout piétiner, tout saccager. Et ce n'est pas l'objectif. Et donc, pour changer des vaches de parc, en fait, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais ici ouvrir mon parc. Hop, je sors le fil de cet isolateur. Je crée une ouverture. Les vaches, elles connaissent le truc, hein. Je vais les appeler, puis elles vont passer par là. Et puis elles vont aller dans leur parc ici. Et ensuite, je vais démonter le fil arrière. Ce fil arrière, je vais aller le remonter en prochain fil avant. D'accord? Le fil qui sera en attente. Et ensuite, je tire mon couloir jusqu'ici où je viens planter mon piquet en fer à béton rigide pour créer ma porte. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et si vous vous intéressez à cette histoire de pâturage tournant, donc vous pouvez utiliser les termes de recherche pâturage tournant dynamique, hein, sur Internet, sur YouTube, etc. Vous trouverez plein de ressources, hein, des témoignages, ou voilà, des manières de faire. Et vous avez également un autre terme qui est un peu moins connu, c'est le techno-pâturage. Vous trouvez quelques ressources sur Internet, voilà, écrites par des chambres d'agriculture, des trucs comme ça, des organismes agricoles. Alors le terme, il est vilain, hein, il est vraiment vilain, techno-pâturage, mais je me suis un petit peu inspiré de ça au niveau du fil avant, fil arrière, le fait aussi d'avoir tout de suite pensé à découper mes parcelles au maximum en rectangle, et notamment donc celle-là qui est un rectangle parfait. Le fait d'avoir tiré une ligne d'eau, en fait j'utilise mes haies pour tirer une ligne d'eau et pouvoir à chaque fois raccorder mon petit abreuvoir là. Et donc j'ai tiré ces idées-là un petit peu de ce qu'on appelle le techno-pâturage, mais voilà, adapté à quelque chose de plus sympa dans le bocage, avec des haies, des arbres, des prairies plutôt permanentes et naturelles, en tout cas qui ont vocation à s'enrichir un petit peu toutes seules. Le techno-pâturage, c'est plus des prairies temporaires avec des vaches en plein soleil, des fils et des piquets, c'est quand même beaucoup moins sympa. Mais sur le côté technique, voilà, c'est intéressant d'aller voir un petit peu ce que vous trouverez sur Internet en termes de ressources avec ce mot-clé. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit truc, puisque cette année, en fait, on a doublé les lignes. À l'origine, donc, c'était des lignes d'arbres, hein, là-bas et ici, qui étaient sur une seule ligne, en fait. Mais bon, pour différentes raisons dont je reparlerai, je vous ferai une vidéo dédiée à cette histoire-là. On a replanté une ligne à 2 mètres, ici même, cet hiver. Donc vous voyez, il y a plein, plein de petits arbres. Donc ici, par exemple, des châtaigniers, ici du chêne. Voilà.
pour doubler la ligne. Et en fait, vous voyez, j'ai mis tous les, je sais plus, 40 mètres, j'ai mis une borne de flotte. Alors, le tuyau, en fait, il n'est même pas enterré, hein, il n'y a pas de travaux, de gros travaux à faire. Le tuyau, il a été déroulé sur le sol. Et vous voyez qu'en même pas, déjà, en même pas 3 mois, hein, ça doit faire 3 mois qu'on a déroulé ça. Bah, d'ailleurs, tiens, en voilà un petit là, qui travaille, un petit ver de terre. On voit qu'en fait, la vie du sol, et notamment grâce au paillage là, que je vais entretenir pendant les premières années de pousse de ces petits arbres, eh bien, on voit que le tuyau il est en train de s'enterrer tout seul. Et donc, dans quelques années, en fait, bah, tiens, il est déjà enterré, c'est quand même assez dingue. C'est quand même fou. Hein. Je vous assure, ça fait 3 mois. Hein, on voit même les campagnols hein, qui vont d'ailleurs participer à enterrer le tuyau. Donc en fait, le tuyau, il va s'enterrer un peu tout seul avec les années. Et en plus, ce tuyau, il sera vraiment au frais, hein, puisqu'il sera, il a été déroulé là sur la gauche des petits arbres. Donc en fait, ici, on va avoir beaucoup d'ombre, hein, une fois que les petits arbres seront grands. Et donc, il sera toujours au frais. Et ensuite, on a ici des bornes tous les 40 mètres. Donc il y a simplement un T qui commence à s'enterrer également. Un petit T, un piquet voilà, en châtaignier... histoire de tenir ça droit. On a mis le truc jaune là principalement pour bon, éviter que le tuyau en PE ici voit trop le soleil, hein, justement tant qu'il n'y a pas les arbres pour lui faire de l'ombre. Je préfère que ce soit ce vieux morceau de tuyau de drainage qui traînait, qui prenne les UV. Voilà, on a un coude et puis une vanne. Et puis on vient se raccorder ici avec un simple raccord de jardinage, une petite tétine Gardena. Et puis on peut mettre la flotte dans les pâtures. Et donc on a cet hiver mis ça en route. On a profité justement de cette implantation de deuxième haie pour tirer des tuyaux un peu partout dans les champs. Et du coup on a aujourd'hui la capacité de tirer l'abreuvoir absolument partout sur les parcelles en fait. Donc ça c'est super. Et on voit donc que cette parcelle-là par contre on va en faire du foin cette année. Nous sommes le lendemain et je vais bouger les vaches de place. Donc on voit qu'elles ont compris ce qui est en train de se tramer. Elles sont toutes excitées dans les starting blocks. Je vais vous installer de l'autre côté là-bas pour éviter qu'elles ne viennent renverser la caméra. Je vous mets derrière le fil. Alors je vous installe ici. Comme ça, vous aurez une vue sur le travail. Alors là, vous venez de voir la petite Uriage qui arrive en chaleur. Donc elle commence à grimper sur les autres. On fera une vidéo d'ailleurs sur les chaleurs des animaux. Alors avant toute chose, très important, les gants. Les gants en cuir. Parce que quand on travaille avec ce type de fil en nylon, même si c'est du bon fil tressé, on peut avoir des conducteurs en inox cassés. Et après, vous voulez rentrer dans les doigts quand vous touchez le fil et puis vous pleurez. Allez, cocotte, on change. Hop. Allez, ravioli. Alors là, c'est particulier, je suis obligé de rembobiner le fil arrière jusqu'à l'arbre pour faire le tour de l'arbre, afin de protéger l'arbre. Mais s'il n'y avait pas d'arbre, ben, j'aurais pas eu besoin de faire ça. Alors l'avantage, quand ils étaient petits, ces arbres, c'est que je pouvais simplement passer le fil par-dessus sans le rembobiner. Mais maintenant, je ne peux plus. Voilà, donc je replace mon fil de ce côté-là. Je remets la protection sur le piquet parce que j'ai la petite génisse qui s'amuse à les mâcher. Et donc là, vous voyez, ça va vite. Ça va vite parce que j'ai des piquets qui accepte le fil, vous voyez, très rapidement. Maintenant, je vais défaire le fil à l'arrière. Alors d'abord, je reprends le fil de couloir.
Ensuite, je prends le fil arrière. Et de la même manière, vous voyez, ça sort très très facilement des piquets. Le problème, c'est que parfois, on a des piquets comme ça, en plastique ou même des isolateurs qui ont des formes qui abîment en fait le fil, justement, qui cassent les conducteurs. Donc pour du changement quotidien, il faut vraiment sélectionner des piquets avec des isolateurs dans lesquels on rentre facilement le fil. Je récupère mes piquets sous le bras. Ici, je remplace mon piquet en fer à béton par un piquet en plastique pour pouvoir tirer mon fil de couloir. Ce piquet-là en plastique soutiendra le fil de couloir. Je récupère mon piquet en béton, en fer à béton. Je récupère la massette qui reste toujours au pied, dans l'entrée des parcs. Donc ça va être planté tout à l'heure. Je le mettrai là. Et là, je vais, tant que j'ai les trucs sous les bras, je vais tout de suite mettre le fil du lendemain. Donc le fil arrière devient le fil avant du demain. Je vais vous mettre un petit peu plus loin. 10 mètres plus loin. Alors en général, je mets toujours un piquet ici à 2 mètres. Voilà. Comme ça, le jour où je viendrai ouvrir, j'aurai mon piquet là qui me soutiendra le fil. Et comme on vient de le faire, en fait, les vaches passeront ici. Et ensuite, à partir de là, je mets un piquet environ tous les 7 mètres. Donc ici, je fais mon petit système pour protéger l'arbre. Un piquet de chaque côté. Et à nouveau tous les 7 mètres. Alors ici, je ne sais pas si vous me voyez encore, peut-être pas, j'accroche ma poignée sur l'isolateur et je reviens avec le fil. Je coince le fil, comme ça il y a un bon contact au niveau de l'isolateur, et je pose ça par terre, je vous récupère, et on va aller faire la porte. Donc je vais vous mettre dans le couloir, vous allez me voir de l'autre côté. Ensuite, alors on met l'isolateur, j'ai ressorti le poteau, on met l'isolateur à environ 80 cm, donc c'est à peu près le niveau de l'entrejambe, en tout cas chez moi. Voilà, c'est fermé, et maintenant je vais tirer le fil du couloir. Hop. Et voilà.
Et il me reste maintenant à aller chercher l'abreuvoir. Donc l'abreuvoir, forcément, il faut le vider. Voilà. Donc ensuite, bah, il est très léger. Je lui ai mis ici une petite corde pour le traîner. On le place à ras de la clôture et je vais chercher mon tuyau. En réalité, je vais vous montrer les coulisses de l'abreuvoir, puisqu'aujourd'hui je dois faire une manipulation en plus. Je dois aller me raccorder sur une nouvelle borne. En fait, j'ai un tuyau d'arrosage que vous voyez ici au sol qui est monté sur... Alors on va passer entre les deux peupliers. Ce tuyau est monté sur un petit enrouleur de jardin qui est ici. Hop, j'ai un peu moins de 30 mètres sur cet enrouleur. Je récupère la tétine, mon enrouleur, et on va à la prochaine borne. Donc là c'est pareil, vous voyez, on a doublé la ligne. Je mets ma tétine. Je me branche à l'enrouleur. Je peux le mettre sous pression parce que ici j'ai un raccord, les raccords spéciaux qui stoppent l'eau en fait. Il y a un bouchon dedans et ça ne libère l'eau que quand on vient le clipser à une partie mâle. Et on retourne jusqu'à l'abreuvoir qui est ici. Alors attendez, parce que vous êtes sur un grand trépied, c'est pas pratique. On va passer ici. Donc, comme c'est la première année, c'est un peu le bordel. Mais, en fait, avec les années, je créerai des entrées dans la haie, en fait, où je n'aurai pas besoin de me contorsionner. Donc là, on tire. Et on branche. Et l'eau coule. Et là, vous voyez, depuis que j'ai démarré cette vidéo, alors lorsque j'étais dans le chemin et qu'on voyait les vaches là qui étaient en train de se mettre en position, la vidéo l'a fait 16 minutes. Voilà, sachant qu'il y a des moments où j'ai dû venir vous déplacer avec le trépied. Et donc là, eh bien, on a des vaches à l'herbe, on a de l'eau et on a un petit peu d'ombre. Alors, pas tellement à cette heure-là, mais vous voyez, avec les années, on va avoir de plus en plus d'ombre. Ici, cette alizier qui va faire de plus en plus d'ombre. Et puis la haie là-bas qui va finir par pousser un jour et leur procurer de l'ombre. Mais là, au mois de mai, il n'y a aucun problème, surtout avec du fourrage comme ça, très, très humide. Elles n'ont pas vraiment besoin d'ombre. Elle n'est pas belle la vie? Voilà, j'espère que cette vidéo aura été utile à quelques-uns. Forcément, ça ne va pas être une vidéo grand public. C'est très précis. Mais voilà, j'imagine que les personnes qui font un petit peu d'élevage à petite échelle sauront trouver des astuces pratiques
pour améliorer leur quotidien et pouvoir offrir tout ce qu'il faut à des animaux, avoir des belles bêtes et sans s'esquinter la santé, sans se faire mal. Hein, donc pensez bien aux gants en cuir, le plus important. Hein, tout ce que j'ai fait là très rapidement, je ne l'aurais pas fait sans les gants en cuir. Vous ne le voyez pas à l'écran, mais en fait j'utilise mes mains comme frein sur les. Lorsqu'on déroule ces petits enrouleurs bleus là, on laisse la main sur la bobine et ça permet de freiner parce que sinon ça se déroule trop vite. Ça fait après comme le papier toilette là, ça vite, vous avez tout le fil par terre quand vous prenez de la vitesse et donc en fait vous bloquez avec le doigt la bobine quoi. Enfin vous comprendrez et puis ceux qui font savent. Mais voilà, le fait d'avoir des gants, ça permet d'aller très 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 vite. Et encore une fois, de ne pas se blesser, parce que vous voyez, des fois, vous avez le fil comme ça, il est abîmé. Alors ici, le conducteur n'est pas cassé, mais ce petit conducteur-là, il pourrait très bien casser. Et en fait, après, quand vous passez la main comme ça le long du fil, eh bien, vous plantez le conducteur sous les doigts, quoi, hein, genre sous les ongles, quoi. Et alors là, ce qui était un plaisir devient l'enfer. Et donc, je vous laisse avec une petite vision du paradis et je vous dis à la prochaine.